Quand je suis pressée, je prépare toujours ces nouilles-là. Premièrement, ajoutez des nouilles instantanées dans de l'eau bouillante. Faites cuire juste 2 minutes, pas plus. Une fois que c'est fait, c'est prêt. Alors, dans un bol, vous ajoutez 2 œufs, une pincée de sel, un peu de poivre noir. Et vous mélangez bien les ingrédients avec l'assaisonnement. Une fois que c'est terminé, vous mettez de côté. Dans une poêle, vous chauffez à feu moyen et vous ajoutez ensuite une cuillère à soupe de beurre. Mais faites-le fondre d'abord. Une fois que le beurre est fondu, c'est le moment de rajouter l'ail. Vous mettez 3 gousses d'ail entières. Faites-les sauter jusqu'à ce que votre cuisine sente merveilleusement bon. L'ail frit est notre ingrédient spécial. Ajoutez ensuite du poivron rouge, du poivron vert et faites-les sauter jusqu'à ce qu'ils soient bien flétris. Ajoutez ensuite les nouilles et mélangez les nouilles avec les épices. Cette recette est parfaite pour ceux qui veulent cuisiner rapidement mais bien manger. Mettez ensuite les nouilles de côté. Cette étape est super importante. Cuisinez avec soin et remuez toujours, d'accord? Continuez la recette en ajoutant les œufs. Et brouillez les œufs jusqu'à obtenir un œuf brouillé. Regardez comme les œufs sont beaux. Ensuite, vous mettez aussi de côté. Et on ajoute des saucisses. Elles doivent être très savoureuses. Vous mélangez tous les ingrédients après avoir fait frire les saucisses. Et vous ajoutez une cuillère à soupe de sauce soja et vous mélangez à nouveau. Faites attention car la sauce est déjà salée donc. Vous n'avez pas besoin d'ajouter beaucoup de sel. Vous éteignez le feu et c'est prêt. Servez tout ça dans une assiette et invitez votre famille à y goûter. Bon appétit!